مرحبا، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. في هذا الفيديو لدينا نص حول الصداقة، النص بعنوان لاميتي. فلنبدأ قراءة النص. لاميتي لاميتي est une relation qui réunit deux personnes ou plus. Elle est basée sur des sentiments humains échangés. De nos jours, beaucoup de sentiments humains ont disparu pour des raisons morale, mauvaise éducation et économique, société matérialiste. L'homme est un être social. Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui. Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle. La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié. Car en camaraderie, on peut tester beaucoup de choses. Sincérité, fidélité, un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami. Il faut bien le négliger immédiatement. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien, il faut le considérer comme un vrai ami. L'amitié a beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut avouer nos secrets. On peut échanger les conseils. Et on peut avoir l'aide dans des cas urgents. L'amitié peut exister dans notre vie, mais elle est comme le cristal, dur à trouver, mais facile à briser. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'amitié. L'amitié. L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus. L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus. Elle est basée sur des sentiments humains échangés. Elle est basée sur des sentiments humains échangés. De nos jours, beaucoup de sentiments humains ont disparu. De nos jours, beaucoup de sentiments humains ont disparu. Pour des raisons morales, mauvaise éducation et économique, société matérialiste. Pour des raisons morales, mauvaise éducation et économique,
Société matérialiste. L'homme est un être social. L'homme est un être social. Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui. Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui. Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle. Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle. La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié. La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié. Car en camaraderie, on peut tester beaucoup de choses. Sincérité, fidélité. Car en camaraderie, on peut tester beaucoup de choses. Sincérité, fidélité. Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami. Un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami. Il faut bien le négliger immédiatement. Il faut bien le négliger immédiatement. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien. Il faut le considérer comme un vrai ami. Il faut le considérer comme un vrai ami. L'amitié a beaucoup d'avantages. L'amitié a beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut avouer nos secrets. Par exemple, on peut avouer nos secrets. On peut échanger les conseils. On peut échanger les conseils. On peut avoir l'aide dans des cas urgents. On peut avoir l'aide dans des cas
Urgent. L'amitié peut exister dans notre vie. L'amitié peut exister dans notre vie. Mais elle est comme le cristal. Mais elle est comme le cristal. Dure à trouver, mais facile à briser. Dure à trouver, mais facile à briser. الآن اسمعوا جيداً قراءتي للنص. L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus. Elle est basée sur des sentiments humains échangés. De nos jours, beaucoup de sentiments humains ont disparu pour des raisons morales, mauvaise éducation et économique, société matérialiste. L'homme est un être social. Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui. Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle. La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié, car en camaraderie, on peut tester beaucoup de choses. Sincérité, fidélité, un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami. Il faut bien le négliger immédiatement. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien, il faut le considérer comme un vrai ami. L'amitié a beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut avouer nos secrets. On peut échanger les conseils et on peut avoir l'aide dans des cas urgents. L'amitié peut exister dans notre vie, mais elle est comme le cristal, dur à trouver mais facile à briser. الآن حاولوا أن تقرأوا بأنفسكم ومن الأفضل أن تقرأوا بصوت عالي.
اسمعوا وركزوا معي مرة أخيرة لكي تعرفوا إن ارتكبتم خطأ خلال القراءة. L'amitié. L'amitié est une relation qui réunit deux personnes ou plus. Elle est basée sur des sentiments humains échangés. De nos jours, beaucoup de sentiments humains ont disparu pour des raisons morales, mauvaise éducation et économique, société matérialiste. L'homme est un être social. Il est toujours à la recherche d'une personne proche de lui. Il fait des efforts pour trouver l'ami fidèle. La camaraderie est une phase très importante pour bâtir une vraie amitié. Car en camaraderie, on peut tester beaucoup de choses. Sincérité, fidélité, un camarade qui vous incite à faire du mal n'est pas un ami. Il faut bien le négliger immédiatement. Si vous rencontrez un copain qui vous aide à progresser vers le bien, il faut le considérer comme un vrai ami. L'amitié a beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut avouer nos secrets. On peut échanger les conseils. Et on peut avoir l'aide dans des cas urgents. L'amitié peut exister dans notre vie, mais elle est comme le cristal, dur à trouver mais facile à briser. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو إلى الأخير. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا إن أعجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات. وإلى الفيديو القادم بحول الله. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la vidéo prochaine.